Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et qui on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Odyssey. Et donc nous allons dans un autre pays puisque nous avons fait le 100% aussi sur ce monde là. Ouais. Au pays des Mexicains. Au pays des Mexicains tout simplement. Au pays des sables. Au pays des sables. Donc petit à petit on va faire le 100% et puis après on arrivera. Il y a le pays de la lune, alors je sais pas, on n'a pas eu vos retours, je sais pas si vous voulez qu'on fasse ça avant, mais bon, pour moi, on le fera après. On va par la suite. Sachant que c'est des choses qu'on débloque avec les étoiles, on va le faire à la fin. C'est comme ça, on finira bien à Let's Play sur une vraie fin. C'est ça. C'est ça. Donc c'est voilà. Parti. C'est donc parti. Tu changes ou pas? On va acheter l'autre. Le cube. Ici aussi, la roche lunaire. Émet de la lumière. Donc il faut qu'on y aille, on va y aller tout de suite. Hein. Il nous en manquait combien des étoiles ici? Regardez. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais acheter. Tu vas acheter. Vas-y. Il nous manquera des pièces violettes aussi. Ouais. Salut gros. Bonjour. On a reçu un truc. On pourrait acheter soit. Ah oui, on n'a pas assez pour ça. Mais je suis bête. Dans les violettes, est-ce qu'il n'y a pas une autre tenue qu'on n'a pas achetée? Mais on n'a pas assez. Non. Il nous en manque. Ah bah si, c'est celle-ci qu'on n'a pas trop mis. C'est celle-ci. On l'a pas trop mis. Ah ouais, Mario Cowboy, allez, c'est parti. Mario Cowboy, on change de panoplie pour ce monde, parce qu'on était, on n'était pas en cowboy, on était en mexicain tout le long de ce pays des sables. Et donc, il nous manque 19 étoiles, 19 lunes. 19 lunes. 19 lunes, quand même. C'est pas mal, hein. Ouais, ce monde est bien garni en lunes, et là, on va rigoler, parce que je pense que ça va rajouter un paquet. Ouais. Ah bah tiens, déjà, il y a un oiseau. Non, on avait eu l'oiseau. On avait l'oiseau. Ah oui, on l'a vu. Vous êtes prêts, les enfants? Le capitaine! D'accord. Oui, d'accord, c'est bien. Oui, wouh! On a réussi, passé, c'est bon. Donc on passe l'animation parce que c'est toujours la même. Hein. Et ouais. Et attention, nous avons... Ah oh, ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Je pensais qu'il y en aurait plus. Ouais, il y en a 20 de plus, ça va. Bah ça fait quand même 39 lunes à trouver dans la vidéo là. Ouais, oui bah... Ah bah tiens déjà... Oh! Faut trouver le bon. C'est lui. Imposteur! C'est lui. C'est pas lui. C'est lui. Non, faut attraper les trois quoi, tout bien évidemment. Ah oui, il est plus rapide. Cours petit. Oui. Oh, c'était mignon. Ah mais c'est une étoile... La pitou dans le désert. Bah verte, d'accord. C'est les verbes aussi. Oui. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas. Salut Jaxi. Rebonjour Jaxi. Il y en a une là-bas, c'est là. Donc ça c'est pour Kim. Ha! C'est parti, au bas. Oh la vache. Ah, Jaxi. Ah oui, Jaxi. Jaxi, on n'a pas le choix. Allez, on va réessayer. C'est bon, dès que t'es bien droit, c'est bon en fait. C'est bon. Merci Jaxi. Celle-ci, elle était chaude. Oui. Il fallait pas trop diverger. C'est bon. Course note dans les dunes. Donc deux. Il y en a par là. Deux par là-bas. On va déjà faire. Mais si, on va déjà faire celles qui sont en bas. Il y en a deux au village. Il y en a deux au village. Par là. Non, là-bas. Ah oui. Ah oui, là-bas, les deux qui sont là. Mario, Cowboy, au pays des Mexicains. On va essayer de faire le 100%, mais c'est un plus long épisode pour éviter d'avoir à revenir. Oh oh. Oh là, j'allais foncer. Oh, je me déplace dans le vide. Dans le vide. Oui, déplace-toi tout droit déjà. C'est bon. Oh la vache, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! Non! Là, sur la droite, y'a pas un truc? C'est ce que je me disais, mais j'ai pas l'impression. J'ai eu presque l'impression, truc, hein. Mais. Ça me paraît bizarre. Uh oh! Au moins on l'a eu. Terminus sur la plateforme invisible. Et du coup il y en a une...
Il y en a une quelque part. Un bonus. Je pense qu'il faut continuer et là ça se trouve il y a un truc qui continue. Non, tu penses pas? Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Mais c'est trop chiant. On va la refaire parce que sinon ça va remettre au début sauf qu'on a déjà la lune donc c'est très bien. Ah bah c'est la clé. Ah bah oui. Mais t'as vu une clé quelque part? En tout? Non? Oh, ah là. En dessous. Oh yes. Ah bah oui, faut sauter là-bas. Là-bas, faut se laisser tomber. Voilà. Pas mal. Sympa cette lune. Ouais. Par Et contre... du coup, tu remontes comment? Bah ça va remonter. Ça va faire... Tu penses? Bah oui. Ah c'est mignon. Ouais, c'est très mignon. Fallait l'avoir celle-ci. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc 4 lunes en tout. En sautant sur la plateforme invisible. Parce qu'on était obligé de sauter avec Mario, bien évidemment. 4 lunes sur 39. 4 lunes sur 20 déjà. Oui, 4 lunes sur 20 déjà. Donc on est déjà un cinquième. C'est pas mal. Il y en a une avec Toad. Tout à droite. Déjà, il y aura eux, tu vois, qui vont nous dire... Là-bas. Tiens, non, ils cherchent un cow-boy. Je suis venu ici avec un ami, j'ai perdu une vie. Je soupçonne de t'être logé dans le crâne de quelqu'un pour échapper à la chaleur. D'accord. Là-bas. Elle est super visible. Là. Ah oui. Super visible. Dans le crâne de quelqu'un, il y a un crâne dans ce... là. Mais arrête, tu étais plus long que à faire ça. Ah non. Voilà. Voilà. J'ai appris ça aussi récemment. Oui, tu tapes et tu sautes plus haut du coup. Si tu fais ça, tu tapes et tu sautes plus haut, regardez. Hop. Faut juste bien le faire. Voilà. Ah, oui, on d'accord. fait une sorte de pirouette et on va plus haut. Vas-y, montre d'autres. L'oasis là-bas. Ah, il y a une course. Ah oui, bah oui. Là-bas, ah bah là-bas. Une... Facile ça. Non, c'est un oiseau. C'est l'oiseau. Mais là c'est l'eau. Ah oui, j'ai pas vu. Quand même. Par contre, faut que j'axie. Hein. Non. Ouais. Tu peux dire. Il y a un truc bizarre là-bas. Tu peux dire, ouais, la maîtrise. Bravo. Ah, c'est loin quand même. Bah tiens, il y a une. Du pays de l'eau. Impossible de tremper, ne serait-ce un bout de nageoire là-dedans. En fait, ils se mettent partout. Et là, il y a ça là-haut. Ah oui. Mais c'est peut-être une corne. Ah si, non, c'est pas une corne. Oh, mais tu la casses comment? Hein? Ejaxim? Bah, Ejaxim, on comment? Qu'est-ce qui c'est qui ça? Bon. On va aller on par verra. Là. On verra. Ah bah là-bas, il y a un sûr. On verra. Tu vas voir la course après? Bah après, à la fin. Donc là, il y en a deux encore. Ouais, un petit niveau secret, donc ça c'est le niveau qu'on aime bien. Ouais, ça c'est le niveau bien. Ah, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Ah, avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Dans le désert. Il s'est perdu. Fais gaffe, hein. Bonjour, copain. Il est peut-être au-dessus, non? T'auras peut-être pas assez d'eau. Ouais, je vais peut-être descendre avant. On va y aller tranquille. Où est-ce qu'elle pourrait être? Moi, je pensais qu'elle était avant. Voilà, on va aller chercher... De l'eau. Elle était avant. Déjà, c'est pas évident. Hein. Bon. Au bout du cours d'eau glacée. Moi, je pense qu'elle était avant. Ah, c'est de l'eau glacée. Ah, c'est de l'eau glacée. Je l'ai pas vu comme je suis pas tombé si dedans. Si elle était en haut vers les hauteurs ouais, en fait. Ouais, bah ça va être un truc caché, faut juste la trouver. Parce que de toute façon il y en a deux, il y avait marqué sur rien. Ouais. On recommence, allez hop, c'est reparti. C'est reparti mon kéké. Top. Je me suis. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré toutes les lunes ici. Donc là non. Au-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non mais faut faire le tour comme ça, si sûr. Et là tu vas là-haut.
et à gauche. Pardon, petit. En tout en haut à gauche. Ah, voilà. D'accord. De chez Eddie. La vache allait. C'était chaud, hein. Ouais. Dans la cage du cours d'eau glacée. C'est bon, on a tout. Bon, pour le style, je vais faire la dernière, voilà. Hop, on va redescendre, hop hop. Ah bah non. T'es mort. Y'a moyen. Voilà, t'es mort. Bon. Ça ira plus vite comme ça, on revient au début. Ouais, mais je perds 10 pièces. Oh mon dieu, je perds 10 pièces. Bah oui, 10 pièces, c'est 10 pièces. Oui, une bouchée de pain. Pour Mario, il est riche. T'as toutes les pièces d'or qu'il peut avoir. Alors. Ah bah celle d'en bas, on l'a pas. Bah en haut, là, il y en a 4. Oh! Il y a deux courses. Marche copain. Course copain. Marche copain. Mais oui, la marche copain, on l'avait déjà fait. C'est pour faire un triangle ou un rond, je sais plus. Bah vas-y, va là-bas. La marche copain? Non, là-haut, là, il y en a 4. Ok, meuf. Ok. Oh ouais. Des pièces. Ouais, je viens de voir. Ouais, j'ai vu. Faut planer. Tu sais combien il nous en manque? On a même pas regardé. Hey, salut, nous, mec. Profite un peu de l'ombre pour rafraîchir. Ah bah dans le bâtiment. Non, c'est là. Ah, à droite, il y a des stickers. Si merde d'avoir enlevé mon chapeau. Mais j'ai pas touché à ton chapeau. Ah, il faut enlever, ça se trouve, faut enlever ça là. Attends. Non, attends. Non. Et lui, il veut quoi, là? Il est excité comme une puce. Ah si. Je pense que ça va être ça. Ça va, tu y arrives pas trop? Attention, les derniers. Voilà. Ah bah oui, voilà. C'était évident, il n'est pas... Il est pas content. Oui, il est pas content. C'est mieux comme ça. Merci pour le voyage. J'ai dit, c'est mieux en comme ça. En enlevant les posters. C'est assez explicite. Il y a tout en haut, là-bas, une lune. Ah, bah Madame Gomba. Madame Gomba, bah elle est revenue. Mais ils sont où, monsieur? Il est où le Gomba? Je sais pas. Où est-ce qu'il est le Gomba? Où est-ce qu'il est le Gomba? Tu peux faire celle qui est au-dessus? Mais celle qui est au-dessus où? Ah non, c'est la course. Oui, pardon. Merci. Je croyais qu'il y en avait une au-dessus du bâtiment. Merci. Oh non, pas une lune avec les moutons. Pas une autre quoi. On s'en fout des moutons. Faut que j'aille là-bas. Mais c'est hyper loin. De Même Gomba. Oui, mais je sais pas où il y a le Gomba, moi. Ah, tu feras après. Ouais. Il y en a avoir une, là, c'est sûr. Oui, il y en a une. Et il y a surtout le fil qui me permet d'aller là où je veux aller. D'accord. Le fil électrique. Wouhou! Go! Go, 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 go! C'est moi, ça vibre. Voilà, c'est celle qui était rajoutée. Un éclat invisible. Et comment on va celui du milieu? C'est ça, sûrement. Est-ce que tu peux regarder si là. Comment tu veux que je regarde? Non, c'est pas là. Donc c'est là. C'est au milieu. Ouais, c'est un T. Voilà. Ouais. C'est ça que je voulais. Il y en a une là, là-bas. Ah oui. Alors comment on va faire pour y aller? En planant? En planant. Ah non, tu sors là. Non, je suis pas du tout dessus. Hein. En planant, ça sera beaucoup plus facile. Ah oh, bah tiens. Ah Peach, on l'a trouvé. Ouais. Ah, elle est en... Je n'en reviens pas d'une construction en pierre aussi énorme puisse flotter dans les airs. Le monde est plein de surprises. Carrément. Je me demande comment elle flotte et pourquoi elle est à l'envers. Que de mystère. À propos, j'ai trouvé une lune dans le sable. Tiens, fais-en mon usage. Merci, bitch. Donc celle-ci, on l'a déjà fait. Ouais. Par contre, moi, je cherche le piaf. Là. Il est où? Ah non, pour faire rouler, il est pas du tout là. Mais on l'a déjà eu, le piaf. Non, un truc pour voler. Ah, mais Galvaran, là. Mais il est pas du tout là. On l'a déjà eu. Mais regarde ça. Sur la carte. Bah, moi, pour moi, tu sors de là. Hein. Bah oui. Tu vois? Bah, c'était chaud. Bah non, c'était facile, sur un pilier au nord. Ouais, c'était facile.
Bon, on a eu celle-ci, il y a celle-ci, bah, Gomba, on fera après. Bah là. On va aller à la tour au milieu. La tour au milieu. On avance. Bah oui, là, on est rendu à combien? À 12? Ou 11? Elle était là, le gavard. À 12. Alors, ah bah, il y en a un où, là-bas. Ah bah, oui, là-bas. Et comment on y va? Ah oui. Des pièces. Pièces. Ah oui, c'est avec ça qu'ils sont cassés, ce truc-là. Bah, et là... Oui, c'est Louis Nain, je sais pas comment on va la casser. Il y avait pas un truc dans le coin? Tu peux pas revenir. Top. Il n'y avait pas? Non. Ouf. Bien une. Ouf. Dans les airs au-dessus du canyon. Donc ça c'est bon, on va revenir ici. On revient là. On retourne en arrière. Mais du coup on l'a pas eu, celle qu'on avait vu au final. Nine. Nine. Déjà, il y en a une là. Ah oui, d'accord. Ah bah elle est là. Dans celle-ci, il y en a une là, mais il y en a une autre qui va être... Oh! Oh! C'est comme ça qu'on détruit le bloc. Qui est là-bas. Donc les combats, ils sont au milieu. C'est comme ça qu'on détruit le bloc qui est là-bas. Mais oui, c'est bien sûr. Mais c'est super long. Oui, oui, mais c'est peut-être pas celui-là. Là. Je vais déjà prendre celle-ci. Donc c'est sûr, on l'a déjà eu. On peut pas passer. On va pas passer. Oh là, oui, d'accord, ok. Je pensais que je vais pouvoir sauter. Donc faut arriver au bon moment. Ouais, parce que... Non. Bah si, en fait, si j'arrive à sauter... Pourquoi je peux pas sauter sur Capi? Parce que Capi est trop en hauteur. Ouais. Et il est où, Capi? Ça sert à rien. Ah bah c'est celle-là. Ah bah ça en est une autre, bah cool. Dans une cavité d'héroïne. Deux qui sont un peu côte-côte, un peu exposés quand même, hein, mais c'est pas grave. Bah ça c'est une qu'on avait eu dans les... qu'on avait pas eu justement dans les premières. Ah bon? Bah, il y avait pas de... Ah oui. Pile au bon endroit. Ah, c'est bon, la chat. C'est bon, ouh. Et donc là, en sautant dans les sables mouvants. Et il manque là. Il en manque deux, donc ça se trouve c'est un tuyau, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté trois tuyaux dans ce monde-là? Bah en même temps, il est gros, hein, celui-là. Ouais. Ah oui. Des gombas. Ah, ouais, c'est vrai que celui-là, il y a beaucoup de... Bah, donc on va récupérer des gombas là, et puis on va marcher jusque là-bas. Ouais, c'est super long. Le gomba s'est perdu. Oh, c'est ah, une clé. Une clé... Oh non, invisible. Non. Rapide. Oh, stylé. T'es prêt? Ouais, c'est stylé. Récupère-en là. Merci. C'est ultra stylé. C'est ultra méga stylé. En bas. Récupère tout. Ah. Et l'autre? Je vais tomber. Oh là, j'ai peur. Ah non, on a réussi. Ouais, c'est bon. En fait, si on avait pas eu la clé, ça l'aurait pas déclenché. Ouais. Wouhou! Urgence dans les ruines qui sont. Mario! Time. Mario Kabai. Bon, mais c'était facile celle-ci. Gomba. Donc il y a celle-ci qui est bizarre. Là, c'est la marche Copa. Donc on va y aller, et puis c'est tout. Ah, bon, et puis non, tu veux pas faire le Bill Ball d'abord, ça? Allez, le Bill Ball. Et après, on fait Copa. Et après, on fait Gomba. Ah, mais du coup, il faut l'apprendre, faut le prendre. C'est plus loin, non? Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Hein. Peut-être là, non? Allez, vite! T'as intérêt à te grouiller. Oh, si, c'est bon. Non. Il y en a pas un autre là-haut? Il n'y en a pas un par là, il faut trouver un Bill Ball. Bon, on revient ici, alors normalement il doit y avoir une lune. On va regarder, mais ça va être dans le niveau. Dans le niveau 2 bits. On est fatigué. Oui, il y a
Ouais, que ça arrive un jour. Forcément. Hein. Avec autant de bites. Hein. On fait attention cette fois. 8 bits et pas 2. 8 bits. Non, c'est pas grave. Là. Alors. Oh la vache. Oh la vache, allez. Demi-tour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Largement. Ah oui, c'est facile. Donc ils ont rajouté une lune ici, donc c'était bien ce qu'on disait. Oui, tu vois, c'était ce que je disais. Voilà. Donc maintenant, il faut trouver un monsieur Gomba pour aller voir madame Gomba. Ouais. Je voudrais sortir de ce niveau. Merci. Il fait sec, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait froid. Ouais, non, ça marche pas. Il fait froid. Il fait chaud. Allez, prêt pour de la petite marche. Toup, 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 toup. Tu vas en prendre plusieurs au cas où? Non, j'en prends rien, je vais courir. Là. C'est bon, vraiment bah on se retrouve très, là-bas, très hein. Nul, c'est vraiment très très nul. J'y arrive! Après 4 minutes. Elle a intérêt à nous donner un truc plat. Bien. Ouais, salut, ouais. Tout ça pour moi. Oh, c'est mignon, mais. Mais c'est les retrouvailles de ouais, monsieur Madame Gomba. Mais non, il y en a une autre là-bas. Elle est toujours restée là-bas. Ouais. Ils ont mais du coup, il la trompe. Ouais. C'est pas joli, joli tout ça. Ouais. Hein. 20. Salut meuf, je te laisse. 20? Bah, du coup, on a toutes celles de la. Non. Mais tu m'as dit qu'il y en avait 20. Ben non, parce qu'on en a une, c'était pas. On en a eu. Ah oui, pas... il y en avait. D'accord. Donc on va faire la course, hein. Ouais. On est juste à côté. Oh, les affiches charmines en plus. Bah, sors-moi de là. Ouais. Je meurs solo. Je vais rentrer dans une bête. Ou sinon, je préfère jouer tout ça. Oh. C'est-à-dire, on peut prendre Jaxi, mais c'est pas aussi rapide que les filles électriques. Bah c'est quand même beaucoup plus rapide, non? Mais non, regarde, ils prennent les filles. Ah ouais. Je crois que c'est trop évident, Jaxi, du coup, tu peux pas gagner avec Jaxi. T'es sûr? T'es obligé de passer par là et tout. Non, mais elle énerve pas. Si, tu es premier. Oui, mais pour faire le record du monde. Ah oui. On demande de faire le record du monde, on demande de gagner face au Copa. Terminé. Voilà. 36 secondes. Donc au fait, au final, autant que... Bah... Wouhou. Il y a cru, hein. Il voulait arriver deuxième. Donc une petite lune. Donc une petite lune, et on va en avoir une deuxième. Et donc cette fois, tu vas prendre les fils électriques. Je sais plus comment tu fais pour prendre les fils électriques. Bah ils sont à gauche, là, déjà. Non, mais il y a moyen d'y aller. Ils sont là-bas. Là. Sur la droite après. Ah, oh, c'est trop bien. Non, justement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah bon? C'est pas ça qu'il fallait faire. Non, pas quitter, il faut aller tout droit et après tu vas tout en haut. Mmh. Et là, tu vas sur la tour et c'est ça, oui, c'est ça. Sûr. Hein. Mais dépêche-toi! Donc là, faut pas prendre une droite, partir. Faut prendre suite de devant. Ouais, faut mieux partir très loin et après tu te grouilles et tu prends l'autre et après on peut ah, aller tout droit. Ah ouais, et puis tu arrives direct quoi. Donc y a pas vraiment de record quoi à voir. Parce qu'en fait, là ça mène direct. Bah si, faut juste bien courir entre ouais, chaque Ouais, faut truc. Bien courir. C'est deuxième, troisième là. Hein. Ouais, mais voilà où je passe. Voilà. Ouais. Donc au lieu de faire 36, je vais sûrement faire plus. Bah non, t'aurais pu continuer. En fil électrique jusqu'à là. Ah oui, ouais, je me suis gouré. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un peu moins. 35 secondes. Comment j'ai battu l'autre, mais je crois que c'est ça la meilleure technique. Bon, on va voir ce qu'ils ont fait déjà. De toute façon, il y a un minimum à faire. Hein. Oui, si tu regardes Parce le premier mondial, il est super, tu peux faire moins. Ouais, je trouve c'est, je pense que c'est un peu moins de 30. Et du coup, nous sommes. Ouais, wow. Donc, non, il y a moyen de faire vraiment mieux. On va savoir vite fait. Ouais, ce que j'ai dit, moins de 30. Ouais. Hein, moins de 30, ouais, 28. Ouais, c'est pas ouf. Ça, hein. Je m'en doutais. Donc, c'est facile de faire 35 et par contre. Pardon. Oh, Guy, il voulait montrer qu'il était 900ème. Je suis toujours 900ème. Oui. 76, ouais. 76. Alors, c'est l'une des lunes les plus trompeuses du pays des sables, voire du jeu entier. Bien que le bloc de pierre soit un pilier à l'est des ruines Jaxi,
contiennent clairement une lune et que Mario puisse l'atteindre. Depuis les dunes, il n'y a aucun moyen simple de la libérer. Bien sûr, vous vous en souvenez peut-être, depuis la lune numéro 20, les bilbos peuvent casser ces pierres. Mais pour amener un bilbo aussi loin, il faudra faire des efforts et il y a peu de marge d'erreur. Oh là. Téléportez-vous au pilier de sable des ruines Ifesek. Donc là c'est bon. Donc c'est bien sûr. Et chapimorphosez un bilbo. Emmenez-le vers le pilier, inclinez-le plus à droite et descendez. Et descendez. Restez là pour attirer le prochain bilbo. Ah. Donc là-bas. Allez, attends. Incliné le plus à droite. Ah, si ça n'y passe pas. Ah oui, d'accord. Donc c'est celui-là. Sinon, il passe pas. Restez là pour attirer le prochain bilbo derrière le slab. Puis faites un plongeon spécial pour atteindre l'autre tour penché. Attendez que le bilbo approche le plus possible pour le chapimorphoser. Vite ! Mais ah oui, mais je suis tout seul. Pardon. Vas-y, prends-le. Voilà. Oh yes. Donc en fait, faut se grouiller. Et maintenant, faut se grouiller. Oh, mais déjà, tu pars de plus loin. Ouais. Mais c'est super. J'avoue, c'est celui-là, il est. Ouais, ok. Ouais. Mais je pensais pas que le temps de chapimorphose ou l'explosion revenait à zéro une fois qu'on le prenait, en fait. Je pensais pas. Bon, bah, du coup, on continue les lunes. Du coup, bah là, c'est l'une qu'on sait pas. Bah, c'est vas-y, qu'on a pas. C'est bon. Parti. On continue. Non, c'est pas ça. Hop. Alors. La 8. Ça commence bien. Sable secrète des sables liquides. Retournez aux ruines Ifesek et traversez le sable liquide vers la droite des trois geysers de sable. Faut se laisser crever. Ok, moi j'y vais. Tu vois où c'est? Ah ouais, ouais, je viens de voir sur En fait, carte. Faut s'engloutir. Ah ouais, bah je pensais pas, mais oui, pourquoi pas. D'accord. Wouhou. Ouais. D'accord. Tu sais qu'il y a une petite fleur à droite qui te permet de sauter vachement plus facilement. C'est ça là, attendez, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Oh. Ah, ça se voit un tout petit peu. Ah ouais, sérieux quoi. C'est ça. Oh, elle est abusée. Elle est abusée. Franchement, elle est pas abusée. Mal, mais elle est abusée. Elle est abusée. Mais elle est bien, mais elle est bien. Alors, vas-y. Ensuite, c'est la 9. À la 9 ? Ouais. Secret de la fresque. Retournez à la tour ronde des ruines Ifesek et entrez dans la fresque 8 bits par le tuyau. Montez la tour via le niveau 8 bits jusqu'aux deux plateformes coulissantes, mais ne quittez pas le puzzle. Glissez-vous par la fissure à l'extérieur juste sous le planodon et le drapeau pour découvrir la pièce secrète. Il manque une dans le niveau 8. C'est ouais, ça c'est ça. Donc juste sous le Galvaran. Je l'ai vu en plus. Enfin, j'ai vu le passage. C'est pas grave, on se grouille. Ça, on s'en fiche du coup, on ouais, l'a déjà vu. C'est pas grave. Ah oui, faut que je me baisse. Et donc en fait, il faut pas que tu sortes, il faut que tu ailles derrière le Galvaran. Alors, en dessous. Ouais, ça. T'as vu la fissure? Sérieux? Ah ouais, mais attends. C'est... Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. C'est... Eh, franchement. Ah, elles sont abusées! Elle est abusée. Elle est vraiment ouais. Abusée. Non, mais eh, franchement. Ouais, franchement. Ah, ouais. Tu la vois vite fait, quoi. Ouais. Ouais. Bah, comme l'autre. Hein. Elle est où la fissure? Vas-y, la fissure, mais il y a autre chose? Ah, il nous en reste 14. 21. Oiseaux dans le désert. Deux oiseaux particuliers. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Traverse les pays des sables, reconnaissant à leurs éclats et leur parcours régulier. Celui-ci décrit une longue boucle dans le sud de la région autour d'Ifesek et de l'oasis du désert. Il est là. Il est là. Saute. Voilà, oui, c'est bon. Mais je sais pas d'où il vient. Bon. C'est bon là. Volatile en patrouille dans le désert. Donc retourne à Ifesek. Voilà, j'ai fait une capture, désolé. Retourne à Ifesek. Regarde. On les a pas vus. Mais si, je les ai vus, moi. Retourne à Ifesek. T'es meuf. Ifesek. Ifesek. Et donc normalement, tu vas avoir une petite grille cassée sur à l'ouest. Donc déjà vers la gauche. À l'ouest. En bas. Sur un bâtiment. Là. Bon, fallait aller plus loin. Non mais on l'a déjà fait. Tu l'as fait avec ton chapeau, je crois. Ah ouais. On a déjà récupéré. Ah bah voilà. Oh zut. Mais genre, il a pas revu après. Non, elle apparaît pas en fait quand tu passes par le magasin. Oh la vache. Enfin, je crois pas.
Ah bah si, si, hein, moi je pense... Bah si, 43. Bah... Vas-y. Bon bref. Alors, bah 44 je crois. 44 mmh. Je l'ai pas. Tu te passes de 43 à 45. C'est vrai? Ah bah non, c'est bon. 46. Salle secrète dans la pyramide inversée. Cette lune se trouve à l'écart dans la pyramide inversée avant le combat contre Arié. Terminez les niveaux bibites intérieurs et extérieurs. Quittez le puzzle et chapimorphotez l'un des billballs. Guidez le billball par-delà le fossé vers les piliers mobiles sur le mur en dentelle de pierre. Pilotez-le avec soin avec l'interstice où les piliers ont disparu à gauche. Bon. Nous allons à la pyramide inversée. Il va me demander si je veux... Ah bah tiens, c'est lui son ami là, peut-être. Il va mieux autour de table, c'est pas mal. C'est vrai, c'est son ami qui est paumé, je sais pas quoi là. Bah mais c'est pas une lune. Voilà. Allez. Dans la pyramide inversée. Pour la lune 46. Pour la lune 46. Salle secrète. Donc faut prendre ça là. Ah attends, parce que... C'est lui, terminer les niveaux 8 bits intérieur et extérieur. Ouais. Donc là, faut que tu ailles au niveau 8 bits. À l'intérieur. Voilà. Voilà. Oui, bah, va pas trop vite. C'est mesuré. Oui, c'est ça. Mario time. Quittez le puzzle et chapimorphosez-vous. Donc là, c'est extérieur. C'est calculé, ça aussi. Attends. C'est, y a un trou, là. Ah non, ça, on l'avait fait. Non, ça, on l'avait fait. Ça fait des pistes, quand même. Oui, oui. Donc, il faut 999. Oui, 9999. 1000. Oula. Alors attends. Oui d'accord, c'est là. Faut chavirer, faut quitter le puzzle. Non. Alors attends. Guidez le billball par-delà le fossé vers les piliers mobiles sur le mur en dentelle de pierre. C'est ça? Attends, par-delà le fossé. Je comprends rien. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Par-delà les piliers immobiles. Ok. Ah, je vais aller là-dedans. Pilotez-le avec soin avec... dans l'interstice où les piliers ont disparu à gauche. Donc c'est par là. Mais sauf qu'il fallait aller en billball. Ou pas. Bah ouais, mais je suis allé en sautant en fait. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est bon. Ah, c'est marrant. C'est abusé. Bah donc celle-ci est abusée. Ouais. Ouais. En plus, elle donne plein de pièces. Voilà. Elle était marrante celle-ci. Elle serait obligée d'aller en billball. Chapeline, elle est jusqu'au. Non, non, c'était ça, non, c'était ça en fait. J'ai pas lu la fin. Ah, mais attends, attends, attends. Combien? Et donc, il y en a un paquet. 47. Oh la vache, il y en a vraiment un paquet. Je l'ai pas avec 47. Oh. Oh. Ah non. Je viens de voir un truc. C'est une blague, mais comment j'y vais? Attends, regarde, regarde, non, mais regarde. Il y en a là-haut. Des pièces? Ah ouais. Comment j'y vais? Ah bah dis donc, heureusement que je les ai vus. Hein. Ah ouais, en plus ils nous en ont plein de ça. Cool. Non, ah non, ils nous en ont 6. Ah oui, bah d'ailleurs j'en ai vu 3 en plus. Bah je sais pas. Non mais c'est une blague, 46 là. En fait le guide c'est de l'arnaque. Ils te mettent les trucs qu'ils ont pas trouvé. Ils les mettent pas. Ah non, ils l'ont pas trouvé. Allez, on s'en fout, cherche pas. Oui. T'auras pas entre les pages. Hein. Non, non, je sais. Peut-être. Mais attends. Trésor de la grotte de glace. Tombé dans le tourbillon de sable mouvant dans l'angle nord-est des ruines pour entrer dans la grotte de glace. C'est le truc où t'as le base de glace là. Donc c'est là. Je pense. Allez, Jaxi. Alors. La glace est très glissante, ne bougez pas. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, oh. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont redonné chaque ah, chose. Ah oui, bah oui. Du coup, il y a une lune là. Ah, ça se trouve. Ah ouais, du coup, c'est des lunes. Bah oui. C'est vrai qu'on n'est pas retourné voir chaque chose. Oh, ça se trouve, c'est la 47. Bah oui, ça se trouve, c'est ça.
La bague d'union retrouvée. C'est la combien? Si c'est la 47. C'est pas la 47. Elle était où? C'est la 67. Je vous laisse un trou, non, c'est... C'est, bon. C'est ça, c'est pour ça, je suis au nord, là. Je suis au méga nord, là. Ah non, là, c'est pas ça. Elle a dit ça mouvant ici. Ah! On l'a déjà fait, mais on en a loupé une alors. Mmh. Oh la vache! Ah bah c'est ça qu'ils disent, un tas de pièces. C'est ça. Donc tombez dans un, la glace est très glissante, ne bougez de que de quelques pas à la fois. Prenez les pièces violettes et utilisez le chapeauline. Donc ça on l'avait sans doute fait. Ouais, ça on l'a fait. C'est un chapeauline. Je sais pas qu'il s'appelle un chapeauline. Moi non plus. Comment est-ce qu'on s'est là? C'est ça qu'il faut chercher, c'est les pièces? Non, 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 c'est... Ils disent comment y aller aux pièces? Bah ils disent... Allez au sommet des piliers de la grotte de glace et regardez de l'autre côté de la lune pour voir un tas de 125 pièces. Il n'est pas facile à atteindre, mais en lançant votre chapeau au bon moment et en plongeant. Donc il faut d'abord aller à la lune. Sautez dans les anneaux et continuez le long de passage glacé jusqu'au pilier mobile. Attendez que le pilier monte, puis sautez sur le mur jusqu'à atteindre le sommet des piliers les plus hauts. Ah oui, d'accord, c'est ça, d'accord. En fait, c'est ici, on n'a pas attendu parce qu'on s'est dit faut se grouiller. Donc là, normalement, si ouais. Je saute... Je fais... Encore ? Oh non. C'était ça, le truc. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc là, après... Je vais chercher les 125 pièces. Bah non, t'aurais dû chercher la lune. Ah oui, je vais chercher la lune, déjà. Oh là là. Ça, bah vous voyez, en fait, comme on est pressé, en fait, au niveau des pieds qui t'écrasent, ouais. Tu penses pas aller au-dessus bêtement. Monter. Pourtant, c'est bête, hein, mais c'est pas mal. Trésor de la grotte de glace. C'est bon, on l'a trouvé. Wouh ! Plus que 55 000 pièces à trouver. On va récupérer un tas de pièces, hein. Bah ouais, du coup. C'est cool, parce que du coup, on va arriver encore plus rapidement au... ouais. Mince, j'ai fait un trou, quel idiot. Non, mais il faut juste faire avec le chapeau, hein, ils disent. Bon. Voilà, tu vois. Bah juste un soin en gueule, quoi. Ah oui. Alors, quelle est la prochaine? Nous devons... Il nous en manque plus que 8. Donc on va y arriver, on va être à 100%. Par contre, il manquera les pièces violettes. 47. Ah oui, il manque la 47. Ah la vache. 55. Panneau crâne dans le dédale transparent. Suivez les instructions de la lune numéro 54. Donc l'entrée de cette zone se trouve sur une corniche au nord de l'habitat Matuvu, à l'est de plateformes coulissantes. Bon alors, c'est peut-être ça. C'est dans un endroit... Ouais, c'est ça. Ok. Alors... Il faut pas quitter la première pièce. Lancez Capi sur le panneau de danger et maintenez pour que Capi tourne sur la place. Quoi? C'est juste ça? Oh non, vraiment, ça brille même pas. Ouais, ça brille pas. Sérieux? Ah, oh, c'est abusé. Ouais, là, mais l'indice c'était ça. Je me demandais pourquoi il y avait ça. Le truc en bas. Ah, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est l'indice. Non, ah ouais, mais ouais. C'est ça. Non, ah, ça. C'est ça. Enfin, ouais, mais ça aurait été trop facile. Allez. Mais... Alors, plus que 7. Bah non, 6. 57. 57, après c'est 61, 62, 63. Le dédale de Bilbo, le sentier latéral. Suivez les instructions de la numéro 56. Allez aux ruines de la région nord-ouest d'Ivezek. Et entrez par la porte rouge. Nord-ouest. Par là. Si merde, je savais pas que la... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est les ruines. Oui, c'est ça, la porte rouge. La porte rouge, voilà. Remplacez le billboard par un nouveau près du premier mur en dentelle tournant. Un mur en dentelle tournant. Attends. Allez au ruineur, chapimorphosez un billboard et chevauchez-le d'une portion de sol solide à la suivante. Il y a plein de lanceurs de billboard. Alors attends, on donc là, il y a du zigzag. Ah oui, ah, bah, oh là là, on la voit direct. Non, mais c'est une blague. On l'avait pas vu parce qu'on était passé à droite. Voilà. La voie directe. Et en fait, on est passé. Ouais. Bah non, mais je sais pas comment. Si, on est passé sur la droite. Du coup, on n'a pas vu la voie. Non, parce que t'es obligé de repasser par là après. Ah. C'est juste qu'on n'était pas assez. On n'était pas concentré. Bon, bref. Allez, hop. On l'a eu. Ouais. Donc 61, 62, 63. 61, 62, 63. Au-dessus d'un quartier étrange. Suivez les instructions de la lune 63. Chapeau morphosé la fusée sur le bâtiment dans l'effet sec.
J'avoue. Non mais t'as pas la 47, t'as pas la 46 et en plus les pièces du LED sur l'épisode d'avant ils ont pas mis au bon endroit. C'est de l'arnaque. Bravo. Franchement j'ai porté plainte. Et donc là, la 61. Ah non pas ça. Ah il reste des pièces violettes. Découvrez le bloc invisible au-dessus du bloc. Allez jusqu'aux 3 gombas dans une tour, sautez sur la plateforme avec les 3 blocs et montez dessus. Non, j'ai pas dit descendre, j'ai dit monter. Non mais surtout des pièces violettes il a dit. Le problème c'est des pièces violettes, pourquoi je les ai pas récupérées? Ce qui est bien c'est qu'il te rend 10 pièces à chaque fois donc tu peux recommencer. Oh mon dieu. Oh ah, je suis fatigué aussi là. Juste là et tu sautes là, tu te mets au milieu. Au milieu. Là, tata, mais il m'écoute pas, c'est pas possible. Là! Tu te mets au bout et tu sautes. Tu sautes. Et tu trouves un bloc invisible. Découvrez le bloc invisible au-dessus. Mais du... pas du tout par là. Kim, ah, qui a aucun repérage dans l'espace en fait. Elle me dit que des bêtises et d'ailleurs ça se voit parce qu'il y a une ombre. Oh là là, on le voyait même pas. Non mais. Oui, là, au milieu. Alors, c'est excellent. Elle va vous montrer la photo parce que c'est excellent. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est au-dessus, là où elle m'a dit. Non, mais il saute normalement. C'est excellent. Excellent. C'est excellent. Non, mais c'est excellent. C'est une idée. Ah bah, attends, ouais. Franchement. Donc, en fait, la photo est comme ça. Voilà. Et en fait, on a l'impression voilà, que le bloc, il est là. Faut y aller, quand même. Hein. Faut avoir un problème au cerveau, quand même. Bah, ah non, n'importe quoi. Non, non. Et elle croyait que le bloc, il était là-bas, en fait. Là où elle m'a dit au début. Bah, bon, ouais. Bref. Et du coup, il y a les pièces violettes, là. Il y en a 3. Et les 3 dernières, elles sont sur au la pyramide. Au pire, tu les prends et tu meurs. Ah, ouais, je m'en fous. Pas encore, hein. Pas encore. Hein. Pas encore. Et arrête de bouger dans tous les sens. Voilà. Il nous en manquera 3. Ah, je les ai vues, les 3. Elles sont sur la pyramide oui, inversée. C'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutais un petit peu. Je t'écoute pas, tu m'écoutes pas. En même temps, quand on me dit que l'étoile, hein, oui, regarde, elle c'est est là. Étoiles, une lune. Regarde, saute, elle est là, alors qu'elle était 10 alors, mètres avant. Alors, il te faut la 62, passage secret vers Ivezek. Si vous allez au pays du lac, après le pays des sables, le passage secret de cette lune commence là où la Kitu pêche dans le pays du lac. Donc là, ce sera dans le prochain épisode. C'est le passage secret. Ah d'accord, ok, donc, bon, on sera pas 100% dans celui-là. Illustration, bah non, on n'a pas la 47. Illustration de... C'est la 63 ? Oui. C'est l'illustration des puits et des sables. Ah, mince. En fait, on a trouvé l'illustration et elle est... Ah, on l'a pas vue parce qu'en fait, elle est au pays de Bowser. Donc là, il doit y avoir une illustration... Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Donc en fait, elle est apparue après parce que... 6, ah 3. Ouais, mais c'est facile. C'est facile, ça. En fait, là, c'est... on reconnaît très bien l'architecture de Bowser. Donc on ira au pays de Bowser quand il faudra aller au pays de Bowser. Bah, on peut y aller, hein. Oui, c'est... mais là, attends, on finit. Donc 63. On va voir 100%. Hein. Donc 62, 63, on ne peut pas parce que Kim est nul. 65, 68. Cache chapeau dans le sable. L'un des chapiformes est parti en vacances au pays des sables. Ah, il est à Ivezek. Il essaie de faire passer pour un autochtone et il est prêt à vous donner une lune si vous gardez secret sur son identité. Cherchez les deux yeux qui dépassent de sombrero près du vendeur de glace à gauche du Crazy Cap. Donc il y a deux yeux qui sortent d'un sombrero. Là. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ah, mais comment tu m'as trouvé? J'étais fondu dans le paysage comme un glaçon au fond au soleil. Tiens, je te donne ça en échange. On me dit que tu m'as vu. Ok, ah, c'est mignon. Et il manque là. Tu m'as il dit manque 68. La 65. 65. Mais non, 65, c'est combien de temps? 68. Touriste Globetrotter parlait aux Ututek près du taxi après la défaite de Bowser. Ah, mais ouais, mais c'est mais ça. Mais en on fait. L'a pas. Donc je vais à la boutique de souvenirs de Bowser pendant que Kim essaie de trouver la 47 ouais, qui bah, est c'est introuvable. Introuvable. C'est quand même très bizarre. Et puis, du coup, nous allons. Alors là. Donc c'était 1. Ah oui, c'est ça le truc gris. Ah, oui. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est celle-ci. Ah oui, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Très bien. Très 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 bien. Donc nous retournons d'accord. À l'Odyssée et nous retournons au pays d'Ifessac. Alors, nous arrivons, nous sommes retournés au pays des sables, donc nous en avons 86 sur 89. Donc la 47, elle est dans le trou, sous la pyramide. Du trou de la pyramide. Voilà. Et après il manquera la 61 et 62.
Ah oui, mais du coup, c'est... Le taxi. Le taxi et au pays des lacs. Ah oui. Donc le passage secret et le taxi. Donc là, faut que t'ailles dans le trou. Wouhou ! Voilà. Ouais, c'est bon. Je vais tomber dans le trou. Après avoir traversé la première section, prenez le contrôle d'un missile et foncez sur la droite de l'autre côté. Ah non. On le voyait de loin en fait. Il y a ça. Donc là, t'as Ninote. Et après, t'as le petit chemin en bas. Et voilà. Et là, il y a un chemin invisible. Avec un coffre. Non, c'est pas un chemin visible, si. Si, si, c'est un chemin invisible. Vas-y. Non, avec ton chapeau. Oui, bah, je sais pas. Mince, je vais me faire avoir. Non, tu peux... Ah bah là. Non, c'était ça. Oh la vache. Tu vois, je t'ai dit, c'est un chemin invisible. Je suis chaud. Hein. Voilà. Et on a la 47. Donc, celle-ci, elle était pas mal. Elle était un peu cheatée. Oh là là. Donc il ne manque plus que... Le taxi et... Le taxi qui est rendu je ne sais pas où, donc on ne l'a pas. Parce qu'il se met ici le taxi quand on l'avait. Pourtant, on l'avait eu le taxi, moi je suis persuadé. Non. Pas après la défaite de Gozer. Ah, si, il repasse. Il repasse. Oh, c'est une base, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Ouais. Ah oui, Jaxi de retour. Ah non, c'est pas ça. Non. Donc là, on est à 87 sur 89, sachant que celle-ci, c'est celle du monde d'après, donc Pays des Lacs, où on reviendra dans celui-là. Le Pays des Lacs, qui sera très court, hein. Ce sera peut-être une petite vidéo. Hein. Oui, bah on verra. On verra bien, mais comme il était très très court et c'est un petit monde, ça c'était, je pense, le plus long des pays qu'on fera en vidéo. Après. Ah ouais. La forêt. La forêt, ça va être long aussi. Ouais. Il y a aussi la lune, mais la lune, à ce moment-là, comme ce sera des nouveaux mondes qu'on n'aura jamais fait, la face cachée, etc., on prendra plusieurs épisodes. Voilà. Mais là, comme c'est des mondes qu'on a déjà fait, refait, en plus là on retourne dans des niveaux qu'on a refait, c'est juste qu'on n'est pas tombé au bon endroit. En tout cas, on espère que ça vous a plu, faut pas hésiter. On est à 100% aussi, donc troisième monde. Presque 100%. Troisième monde, non, quatrième. Ah bah non, parce que Rome Pitch, on n'est pas au 100%. On n'est pas à 100%, à part des pièces violettes. Voilà. Du coup, faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut, j'en étais sûre. Pas du tout. Allez, salut.